Il y avait un problème de rentabilité depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas une taille suffisante pour continuer à investir, à développer nos magasins. Nous avions imaginé par le passé d'autres projets pour augmenter la taille des réseaux de magasins pour que les charges de structure soient étalées sur un plus grand volume. Ce n'était pas possible. Nous avons fait un choix qui aboutit au même résultat avec un autre partenaire. Nos employés resteront dans ces magasins. Les clients verront les mêmes têtes. Bien sûr, il y aura des évolutions dans le temps sûrement sur l'agencement des magasins urbains, mais c'est ça le but qui est poursuivi, permettre que ces magasins se développent à nouveau. Et donc, pour ce qui est de Maïsadour, nous allons nous recentrer sur des magasins que nous appelons en direct de nos producteurs, qui étaient les boutiques d'usine, et nous allons également développer une stratégie de e-commerce avec livraison à domicile pour que les consommateurs, nos salariés, nos adhérents puissent bénéficier de l'ensemble des produits du groupe.